Shalom, frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria. Que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, 29 avril, la Sainte Église célèbre Sainte Catherine de Sienne, Vierge dominicaine de 1347 à 1380. Écoutons la vie de Sainte Catherine, une vie de fidélité et d'un grand amour pour son Seigneur. Catherine, l'une des saintes les plus merveilleuses qui est parue sur la terre, naquit à Sienne de parents vertueux, mais qui pourtant, chose incroyable, se firent longtemps ses persécuteurs et en travers autant qu'il leur fut possible sa vocation religieuse. Dès l'âge de 5 ans, elle ne montait les escaliers de la maison paternelle qu'à genoux, récitant l'Ave Maria à chaque degré. Vers cette époque, elle eut une apparition de notre Seigneur qui lui révéla tous les secrets de la vie parfaite. Un jour, l'admirable enfant se prosterna dans sa chambre, pria la très sainte Vierge de lui donner son divin fils pour époux, et dès lors, elle ne songea qu'à la vie religieuse qui passionnait noblement son âme. Comme ses parents voulaient la marier, Dieu leur fit comprendre par différents signes extraordinaires que leur fille devait rester vierge. Malgré tout, ils persistèrent à la retenir dans le monde. Catherine ne se découragea pas. Elle se fit comme une cellule au fond de son cœur où elle trouvait toujours son bien-aimé. C'est alors que commença pour elle une vie de telle austérité que les vies des saints nous offrent peu de pareils exemples. Discipline, châssis de fer, cilice, privation de nourriture et de sommeil, elle n'ignora rien de tous ces martyrs volontaires. Elle en vint à ne dormir qu'une demi-heure en 2 nuits. Ce fut la mortification qui lui coûta le plus. C'était une lutte continuelle entre la mère et la fille, la tendresse de l'une voulant éviter à l'autre ce martyre de chaque jour, la passion de la souffrance chez l'une rendait inutile l'humaine compassion de l'autre. De guerre lasse, il fallut enfin laisser partir au couvent cette fille si chérie et si longtemps maltraitée. Catherine entra chez les religieuses de Saint-Dominique. Dès lors, sa vie devint de plus en plus étonnante. Elle eut quelques tentations pénibles pour son âme angélique. Le Sauveur, pour la récompenser de la victoire, lui apparut couvert des ignominies de sa passion. Où étiez-vous donc, Seigneur, pendant ce terrible combat? Ma fille, j'étais dans ton cœur et je me réjouissais de ta fidélité. Dans une de ses apparitions, le Sauveur ôta le cœur de la poitrine de sa servante et mit le sien à sa place. Une autre fois, elle reçut l'estigmate du divin crucifié. Souvent, au moment de la communion, l'hostie s'échappait des mains du prêtre pour voler vers la bouche de Catherine. Sa vie entière fut un miracle. Dieu permit qu'elle exerçât
une immense influence sur son époque et qu'elle contribua pour beaucoup à la cessation d'un grand schisme d'Occident. Elle mourut à l'âge de 33 ans. Sainte Catherine, une véritable vie de sainteté. Donner, c'est tout donner et se donner soi-même. À toutes celles qui portent le précieux prénom de Catherine, nous vous souhaitons une très belle fête patronale. Soyez sainte comme votre sainte patronne. Que la bénédiction de Dieu descende sur nous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain pour le Saint-Jour.